Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024. Il est 17h et j'ouvre la 23e conférence de la série Les Galactiques 2024. Je rappelle que toutes les informations que je présente sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises noir sur blanc, en live, à l'écrit et en audio par mon principal contact extraterrestre Zen depuis le début de l'année 2016, c'est-à-dire 8 ans. Je les ai enregistrés et ce que je partage reflète au détail près ce qu'il m'a transmis. Vous pouvez également entendre la voix de Zen en train de me parler dans ma vidéo 115, publié sur YouTube en 2023, dont vous voyez ici l'image principale. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de nombreuses conversations que j'ai eues avec Zen, alors que nous avions entrepris tous les deux de cataloguer de manière systématique et minutieuse les différentes races qui composent la Fédération Galactique. Ce travail a abouti à la création d'un tableur comportant environ 2500 entrées. Vous pouvez retrouver une partie de cette conférence dans mon ouvrage « Premier contact » au chapitre 2, article 17. Les extraterrestres n'appréhendent pas les terriens sous la seule perspective anthropologique, sociale ou culturelle. Il considère que tout individu, d'ici ou d'ailleurs, est un système combinatoire, relié à des ensembles plus vastes, interconnectés, planétaires ou cosmiques. Même si de notre point de vue et en tant qu'Homo sapiens sapiens, nous avons progressé de manière fulgurante depuis le début de l'ère industrielle, les extraterrestres, eux, nous perçoivent comme une espèce qui est encore trop violente, manquant de rationalité, de spiritualité et d'éthique individuelle ou sociétale. La Fédération Galactique existe depuis des milliers d'années et elle a toujours été composée de différentes lignées extraterrestres qui se sont alliées pour combattre les lignées reptiliennes qui colonisaient une partie de ce cadran de la galaxie en envahissant la constellation de la Lyre. La Fédération Galactique existait déjà au temps de l'attaque plasmique sur Mars et Tiamat, mais très affaiblie, ayant perdu de nombreux effectifs, elle dut se retirer. Pour protéger la Terre en son absence, elle a enfermé la planète dans une bulle électromagnétique, emprisonnant à la fois les reptiliens pour qu'ils ne continuent pas d'étendre leur colonisation, mais de ce fait également les terriens. Cette bulle électromagnétique s'amenuise, mais existe encore de nos jours. Pour compléter cette conférence, vous pouvez découvrir ou revoir les explications dans mes vidéos sur la Lune, numéro 2 de 2021 et numéro 142 et 144 de 2024. Pour résumer cette situation, la Terre est artificiellement isolée par une série d'anneaux de rayonnement de haute intensité, appelés sur Terre les ceintures de Van Allen. Ces ceintures ne sont efficaces qu'à partir de l'état vibratoire de la troisième densité, c'est-à-dire en 783 Hz. Au-delà de ces ceintures, elles n'existent plus et le cosmos, y compris la Lune, sont en 5D, c'est-à-dire en 50 Hz. Entre les deux, la 4D est une gamme de fréquences de transition. Je rappelle, comme je l'ai dit maintes fois dans d'autres vidéos et d'autres présentations, qu'une densité ou une dimension, comme certains l'appellent, n'est pas quelque chose de réellement physique. C'est plus
un état d'esprit et un angle de perception d'individus qui sont synchronisés entre eux. Cette barrière n'existe que du point de vue d'un terrien ayant une mentalité standard, mais on peut les dépasser en développant notre spiritualité et en élargissant notre manière de percevoir le monde et la réalité. Cette bulle électromagnétique peut néanmoins être mesurée avec des instruments terrestres. Les Andromédiens précisent que cette barrière a été également conçue pour permettre aux terriens de la dépasser en devenant spirituellement conscients et suffisamment avancés pour s'échapper. Dans le cas contraire, si une personne maintient un état vibratoire bas, elle ne peut pas franchir la barrière et doit retourner sur Terre pour y expérimenter une autre incarnation dans le cadre de sa progression et de sa croissance spirituelle. C'est pourquoi de nombreux terriens utilisent les termes de « barrière éthérique » et non tout simplement de « ceinture ionisante de Van Allen ». Dans leur relation avec différentes planètes, dont la Terre, les extraterrestres utilisent une structure qui fut appelée tour à tour le Grand Conseil Andromédien, puis par la suite l'UFOP, la Fédération Unie des Planètes, qui s'est dissoute en 2018-2019 pour recomposer l'Alliance des Sphères Bleues Andromédiennes, mais qui comprenait d'autres lignées également, et devenir ce qu'elle est de nos jours, la Fédération Galactique des Mondes. La Fédération a établi des avant-postes dans le voisinage spatial de différentes planètes. Au niveau de la Terre, son siège local se situe à bord de la biosphère andromédienne Viera, qui se cache en permanence derrière la Lune. La Lune est d'ailleurs elle-même une gigantesque biosphère artificielle sphérique d'origine andromédienne qui a été amenée près de la Terre pour remplacer Tiamat qui s'est désintégrée et pour stabiliser l'orbite terrestre. La biosphère andromédienne Viera est un cosmoport extraterrestre de multidensité, multiraciale et multiculturelle extraterrestre. C'est une immense biosphère artificielle en forme de pointe de flèche. Elle fait 811 km de long sur 350 km de large. Ce gigantesque vaisseau spatial fait le tiers de la surface de la France sur 50 km d'épaisseur, 50 km d'étage après étage après étage en hauteur. La galaxie, la Voie lactée, est divisée en quatre cadrans. La Fédération galactique opère uniquement dans ce cadran de la galaxie où se situe notre système solaire qu'ils appellent Sol 13. Elle ne représente que quelques milliers de civilisations et cela représente déjà une difficulté en soi de les gérer toutes. De manière générale, il y a un nombre incalculable d'alliances et de conseils, car chaque zone spatiale, chaque système solaire et chaque planète a ses propres alliances, ses propres hauts conseils et ses propres conseils planétaires ou communautaires. À l'extérieur de Viera, donc derrière la Lune, ancrée dans l'espace, ou garé dans ses hangars intérieurs, tout le trafic spatial et tout ce qui se passe sur Terre est étroitement surveillé et contrôlé depuis Viera. Il s'y tient constamment des réunions entre les représentants des races extraterrestres les plus importantes et bien connues sur Terre, dont nous verrons les lignées dans les semaines qui viennent. Il y a actuellement entre 900 et 1000 énormes vaisseaux qui dépassent 1 km de long en permanence autour de l'orbite terrestre.
Il se situe entre 200 000 et 500 000 km de la Terre, ainsi que plusieurs autres milliers de vaisseaux plus petits de toute taille et de toute forme, appartenant à d'innombrables lignées extraterrestres. Tous ces grands et petits navires vaquent à leurs occupations quotidiennes, se déplaçant d'un navire à l'autre ou avec Viera comme centre d'activité, y entrant même pour y atterrir ou visiter des lacs intérieurs. Tous ces vaisseaux vont et viennent tout le temps depuis l'orbite terrestre et comme je l'ai précisé dans mon deuxième livre Artificiel, il y en a tellement que cela ressemble à l'activité d'un immense centre commercial en plein New York. La raison pour laquelle il y a autant de vaisseaux est que chaque lignée qui a des starseeds, c'est-à-dire des émissaires stellaires sur Terre, les surveille car ils représentent leur famille. Toutes ces lignées extraterrestres, garées comme suspendues dans le temps, ne s'intéressent pas aux ressources de la planète Terre et il n'y a pas non plus pour l'instant de guerre galactique. Ils sont tous ici autour de la Terre, tout simplement pour surveiller et protéger les starseeds, les émissaires stellaires, ou pour les aider. La langue utilisée au sein de la Fédération est la langue andromédienne, qui ressemble au népalais. L'andromédien de la Fédération est comme l'anglais sur Terre, utilisé comme une langue inter-espèce, comme une langue internationale en quelque sorte, qui permet à de nombreux citoyens de communiquer à travers leur monde et avec la Terre. Lorsque mes propres documents étaient traduits par Zen en réponse à des questions posées par le Haut Conseil d'Andromède et qui étaient lus en session plénière regroupant 12 grandes lignées extraterrestres rediffusées à des millions d'extraterrestres, les traductions étaient faites en andromédien et tous le comprenaient. Le rôle de la Fédération est multiple et complexe, et c'est la raison pour laquelle je vais la présenter ainsi que ses structures internes, son histoire, son organisation, son rôle, sa localisation dans l'espace et les 12 lignées qui la composent tous les dimanches jusqu'au mois de septembre. Le rôle premier de la Fédération est d'aider les terriens dans leur évolution spirituelle, mais aussi de réguler les relations et les accords entre diverses lignées extraterrestres et la Terre. Elle porte à la fois une triple casquette, un rôle de développement spirituel et de maturation de la conscience humaine, et un rôle de protection ainsi qu'un rôle de contrôle. Les relations entre la Fédération ou entre lignées extraterrestres sont basées sur un ensemble de directives qui leur permet de moduler et de limiter leurs interventions sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire dans leurs relations avec nous. Ce document est très long. Il contient des protocoles détaillés pour l'exploration spatiale, la gestion de nouvelles espèces humanoïdes, des plantes et des animaux, la manière de gérer les interactions entre les membres de la Fédération. Il contient également des protocoles sur la manière d'éviter l'exposition aux contaminants, aux spores ou aux micro-organismes, ainsi qu'à toute autre substance biologique ou chimique avec lesquelles les équipages d'un vaisseau spatial pourraient entrer en contact. La première directive contient également des informations et des protocoles décrivant le droit spatial qui est fondamentalement identique à la structure du droit maritime sur Terre. Il faut donc comprendre que le droit maritime terrestre est basé sur le droit spatial de la Fédération. Le droit maritime est un quasi-copier-coller du droit spatial extraterrestre. En fait, Zen m'a passé 12 paragraphes faisant partie du chapitre 1
article 2, paragraphe 7 de cette directive première. Il me les a communiquées le 27 février 2017, mais les directives n'ont pas changé depuis. Donc vous pouvez retrouver tout cela dans mon livre Premier Contact, en entier et dans le détail. La première directive donc sert de guide moral, éthique et de modèle juridique. Elle a préséance sur toute autre considération et comporte la plus haute obligation morale. Le paragraphe 2, le serment le plus solennel d'un capitaine de vaisseau spatial est de donner sa vie, voire celle de son équipage, plutôt que de violer la directive première. Troisième paragraphe, la directive première est applicable à toutes les cultures d'une planète qui n'ont pas encore atteint la capacité de voyage interstellaire et n'ont pas établi de relations continues organisées avec une culture interstellaire évoluée. En d'autres termes, les extraterrestres considèrent qu'une espèce est moins évoluée tant qu'elle n'a pas développé ses capacités spatiales interstellaires, des technologies avancées, l'énergie 2.0, l'abandon du nucléaire ionisant et surtout la maturité spirituelle et l'éthique des peuples capables d'évoluer dans l'espace de manière autonome comme un seul et même ensemble. C'est-à-dire que tous les individus sur Terre doivent avoir toutes ces capacités et être totalement autonomes. La Fédération ne peut pas non plus exposer une espèce ou une culture en évolution à une technologie que l'espèce n'a pas encore découverte ou qui est incapable de la développer. Par ailleurs, il n'est pas permis d'entrer en contact ou d'interférer avec des races inférieures, c'est-à-dire avec nous, à moins qu'elles ne soient menacées par une source extraterrestre. Et il n'y a aucune guerre galactique actuellement. Il est interdit de communiquer avec tout résident autochtone, tout terrien, d'une culture moins développée, avec tout dispositif, appareil, machine, outil, arme ou invention représentant une amélioration de la science et de la technologie déjà existantes sur la planète. Il est interdit de présenter aux membres d'une race moins développée toutes sortes de preuves démontrant l'existence de la Fédération et de ses membres, y compris toutes les machines technologiques et gadgets de toutes sortes, qu'ils soient existants ou futurs. Si la rumeur de leur existence se répandait parmi les membres de la dite race, ces rumeurs devraient être rapidement étouffées par tous les moyens à la disposition, notamment le ridicule. Afin de préserver autant que possible la progression naturelle de leur évolution spirituelle, culturelle et technologique, car ce développement naturel est considéré comme sacré par toutes les lignées extraterrestres. Le projet dans lequel je suis impliquée avec Zen, à l'oral et à l'écrit, a été approuvé par la Fédération à condition que notre contact soit réalisé en utilisant uniquement la technologie terrestre, même si elle est avancée sur Terre, et qu'aucune preuve directe ne soit jamais donnée. Mais nous avons dépassé ces limites, Zen et moi, parce que, comme je l'ai mentionné au début de cette conférence, j'ai des preuves écrites et des preuves sonores, c'est-à-dire qu'on entend la voix de Zen. Les raisons pour l'acceptation de notre contact par la Fédération étaient au départ d'évaluer au travers de nos échanges, tant écrits qu'oraux, le niveau d'acceptation que le grand public aurait de la présence d'individus non humains dans leur entourage et de préparer l'humanité à un contact face à face, direct, imminent. Preuve que la Fédération ne peut donner de toute façon car ses conditions de confidentialité
ont été officialisées au travers d'un traité de 120 ans qui s'arrêtera en l'an 2075. La Fédération est un consortium d'élites terrestres et extraterrestres choisies, c'est-à-dire que c'est un regroupement, un partenariat entre des organisations ou des individus résultant d'une collaboration à un programme donné dans le but d'obtenir des résultats. Le consortium est composé d'élites terriennes et de représentants de lignées extraterrestres habituées à communiquer avec les élites terriennes. La structure de cet organisme est similaire à celle de la société terrestre qui s'étage en pyramide. La Fédération régule les vols des lignées capables de vol interstellaire de la même manière que les gouvernements sur Terre régulent les vols commerciaux ou réglementent les nations. Les gouvernements terrestres sont construits et reflètent les structures de pouvoir extraterrestres qui fonctionnent en dehors de la Terre de manière ajustée et modifiée pour correspondre à des buts recherchés et aux populations terrestres. Les structures gouvernementales et l'idéologie qui les sous-tend n'ont pas évolué sur Terre comme l'histoire traditionnelle ou conventionnelle le présente. Les structures terrestres sont des copier-coller de celles qui existaient déjà en dehors de la Terre et qui sont celles que certaines sociétés extraterrestres ont mises en place pour elles-mêmes. Elles ont tout simplement évolué ici sur Terre selon les us et coutumes des populations qui y habitent. La Terre n'est pas une planète indépendante. Loin s'en faut. C'est une planète fortement réglementée à l'intérieur de la zone spatiale où elle se trouve et qui est contrôlée par la Fédération galactique et sous sa surveillance étroite. C'est la Fédération galactique elle-même qui contrôle dans les coulisses tous les gouvernements de la Terre, ainsi que les organismes et les structures conventionnelles et institutionnelles des États profonds et toutes les nations au niveau public sur Terre. Des groupes d'experts extraterrestres faisant partie des élites de la Fédération examine attentivement de temps en temps les actions et les contacts de toutes les lignes extraterrestres qui sont stationnées en haute orbite terrestre et ce qu'ils font sur Terre ou avec les terriens. Ils étudient les raisons pour lesquelles chaque lignée extraterrestre est présente, la durée de leur séjour et de leurs interventions. Ils surveillent également tous les gouvernements terrestres et les agendas qui sont mis en place, comme par exemple l'agenda 2021 ou l'agenda 2030, en rapport avec la société et les populations terrestres. Pour les terriens, en contact direct avec les membres de la Fédération, les analyses régulières de ces groupes de représentants du consortium est une véritable opportunité de revoir les choses, de les transformer et de faire le ménage pour éliminer toute négativité ou du moins la diminuer substantiellement. Ces groupes de représentants supérieurs du consortium effectuent ces vérifications depuis au moins des centaines d'années et plus encore depuis le début des années 1900, toujours depuis Viera, car Viera est âgée de 30 000 ans, et ils font ces vérifications souvent aux moments les plus cruciaux, comme en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, en 1939, avant la Seconde, en 1964, avant la guerre au Vietnam, ou en 2019, avant le début de la pandémie. Je continuerai donc dimanche prochain à vous expliquer la structure de la Fédération galactique et ses différents membres.
Je reprendrai donc ma présentation au point où je l'arrête aujourd'hui.